Yo les riders, c'est tout. J'avais totalement oublié de le dire dans la vidéo. Avant de passer à la vidéo, les fringues FSLC sont en ligne. On a bossé énormément sur les designs, le style du site, la qualité. Et vraiment, si vous voulez aller checker ça, je vous mets le lien dans la description. Et surtout, le plus important pour moi, c'est votre avis. Et après, vous pouvez commander. Et franchement, on est bien dedans. 30 heures de montage pour vous partager 25 minutes d'une expérience de ouf. Bonne vidéo. Et il n'y a même pas besoin de Karcher en fait, je pense. Tellement c'est... J'hésite à rentrer ou à rouler. Ok, là on est arrivé à ma première escale du coup. J'ai deux escales avant d'arriver à destination. Donc en fait là je suis parti de chez moi. Là je suis vers Tours, je remonte à Paris. Et ensuite je redescends totalement dans le sud chez vous les sudistes, à Montpellier. Et après, après on verra ce qui se passe. Mais d'abord, si j'arrive à Montpellier, je vous jure les gars, le train ça me saoule. En provenance de Bordeaux-Saint-Jean et à destination de Paris-Montparnasse. Des escaliers dans le train. Attends, t'as vu le sac toi? Je galère à mort. Dans le train, je me suis grave chauffé. Le but pour moi, c'est d'avancer un maximum sur mes vidéos. Et franchement, j'ai charbonné. Enfin, ouais. Arrivé à Paris, on devait tous se rejoindre avec les autres gars. Et comme j'avais un peu d'avance, je les ai attendus. J'avais juste un petit détail. J'étais pas à la bonne gare. Bonjour, c'est où pour prendre tous les taxis? Le train partait dans 25 minutes et moi j'avais 20 minutes de trajet. Le stress total. Ça y est, on est arrivé à la gare de Lyon. Je les vois, ils sont juste au bout. Une fois que j'avais rejoint tout le groupe, j'étais enfin serein. Ça y est les gars, let's go Saint-Yves. On vient d'arriver à Montpellier, donc là normalement il y avait Jean-Claude Mousset qui venait nous chercher pour aller directement à l'hôtel à Saint-Tibéri, mais je galère avec le masque, c'est pas possible. Et alors c'est pas Jean-Claude Mousset qui vient nous chercher, c'est un taxi qui va nous emmener directement là-bas. Ensuite on arrivera à l'hôtel de Saint-Tibéri où il y aura le meeting Yamaha, normalement on va s'installer tranquillement. En tout cas il fait chaud dans le sud, c'est cool. Oh cool. Oh ils sont beaux gosses les Mercos là. Je me permets. Vas-y. Voilà. Ouais, voilà, impeccable. Ah oui! Ah, ça change du trafic, hein. Allez, let's go. Oh, on est arrivé à l'hôtel. À Saint-Tibéri, enfin, c'est à côté. C'est quoi le nom de la ville? Pézenas. Pézenas, voilà. Vous allez avoir la chambre numéro 3, je vais vous expliquer. Ok, super. L'amour, Adrien. Hop, ah là là, j'ai un petit coup de stress là quand même. Pop pop pop. Mais c'est mignon. Oh lolo, c'est mignon ça. Merci Yamaha, carrément. Là je sais pas quoi vous dire moi. Merci beaucoup. C'est tout un standing, c'est magnifique, vraiment, c'est très très beau. M'asseoir dans. Oh je bouge plus. Oh ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh ils vont faire briefing, tout ce qu'ils veulent, moi je bouge plus. Je ne bouge plus de là, les gars. Alors, ça y est, après s'être levé à 7h du mat, 6h de train, à peu près 10 minutes de taxi à Paris et 40 minutes de taxi pour venir ici, on est enfin arrivé à l'hôtel. Et on nous a donné nos cartes de chambre. Donc voilà, chacun est parti poser ses affaires et puis se poser 2 minutes aussi dans sa chambre.
Moi je vous montrerai après, mais c'est un délire, cet hôtel il est vraiment joli. Ma chambre, on va dire que j'ai de la place, j'ai même beaucoup de place, c'est vraiment sympa. Je pense que vous avez très bien compris pourquoi on est là du coup. C'est pour les tests des 2021. L'année dernière j'avais fait une vidéo et j'avais été invité par Yam pour les 2020, c'était génial. Et là cette année on refait la même, donc c'était cool. Je pensais vraiment pas du tout que ça allait se passer avec tout ce qui est histoire de Covid, de coronavirus. Et non, du coup on est là, donc ça c'est vraiment ouf, trop content. Pour tout ce qui est programme, je crois qu'en rentrant là sur la table, j'ai vu il y a une petite feuille de programme. Je vais aller chercher. Ouais, ils ont fait ça bien, hein. J'ai un petit gel, j'ai deux petits masques. Ouais, ils sont préventifs, hein. Alors Et ouais, c'est les tests Yamaha Europe, donc c'est... Faut parler anglais, quoi. After an end... Oh, il existe pas, ce mot. Je parle pas forcément très très bien anglais, mais je kiffe parler anglais, je sais pas pourquoi, je me débrouille pas si bien, mais j'aime bien, tu vois, je trouve ça rigolo, la barrière de la langue. Distancing convention and keep 2 meters distance from other attendees and staff. Ok, donc... ça c'est pour nous rappeler que il y a le Covid, donc voilà. Bon c'est cool, hein, voilà, c'est des préventions, on est obligé. C'est vrai qu'on est dans une période un petit peu compliquée. Moi déjà je pensais qu'il n'y aurait aucun test cette année, j'étais un peu dégoûté. On a de la chance, il y a un test, il y a aussi des précautions. Bon c'est pas grave, hein, Et donc après ça s'enchaîne, 9h30 on commence les tests, midi 20 on déjeune, 13h50 on reprend les tests de l'après-midi, et 15h50. Ouah, ça finit tôt. Ah ouais, 15h50, c'est le break, quoi, c'est fini. Et voilà. Drop the papers. Après l'apéro, on va faire une bonne nuit et on se retrouve demain à 7h du matin dans le lit, là. Dans le lit, là, voilà. Un grillon dans la chambre, je sais pas où il est. Ça fait un bruit de ouf. Comment tu veux dormir avec ça? Impossible à trouver. J'ai fait les rideaux, j'ai ouvert les fenêtres. Impossible à trouver, je sais pas où il est. T'es petit con. Mais c'est horrible comme bruit, c'est horrible. Oh. Obligé que ça soit là. Ah mais il est là. Là le truc qui brille là. Ouais ça là. Oh là là là. Vas-y bouge ta race. Vas-y bouge le crayon. Et le truc c'est que là il est bien bloqué quand même. Hein. Comment je peux faire? Ouah. Ouais c'est bon. Ouais il est sorti. Allez. Et on n'est pas des bonhommes nous un peu? Merci. Super, là. Ah ouais, là, ça va être top. Ok, that's good. Dégueulasse. Le temps est dégueulasse. Alors, quand je dis ça, en vrai, ça va, parce que quand on voit par là, par exemple, bah là, ça, c'est un risque de beau temps. Après, tout le reste, c'est de la flotte, quoi. Thank you.
Ça flotte à mort. Oh la misère. Oh les pauvres photographes. J'hésite à rentrer ou à rouler. Je vais rouler. Ça y est, on a fait les deux premiers essais. Le premier, ça allait, il a commencé à flotter vraiment sévère. Et on s'est pris juste une grosse averse. Et puis là c'est la tempête. Là. On a vraiment pas de chance parce qu'au final, demain, il fait beau. Hier, il a fait super beau, super chaud. Et aujourd'hui, on roule. C'est comme ça. Et avec le sourire, hein. C'est pas grave. En plus, vous savez que j'adore rouler sous la pluie. Moi, c'est... mes conditions préférées, la boue. La grosse bouillasse là, qui colle bien à la moto a fait au moins 2 tonnes et demie. Et il flotte à mort. Ça se voit que je suis dégoûté ou pas? Putain, bon ouais, je peux même pas sortir, je peux. Oh la misère, la misère. Voilà à quoi ressemble un début septembre à Saint-Tibéry. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Ah ouais, ciel bleu et tout.
It's good, looks good. It's very looks good, the truck looks good. Maybe some woods. We don't know. Ils sont bien chez Moto Verte. Ils sont bien. La vache, ah ouais. Ah, t'as vu? Ouais. Là, ouais, ce matin il a fait des chronos et tout. Ah, chrono, sinon, le test de la moto. Bon. Ouais, je m'en fous, je veux le chrono moi. Mm-hmm.
Et voilà, c'est la fin. 2021 pour les deux ennemis âmes, c'est l'année du changement. Il y a énormément de choses qui ont été repensées sur ces nouveaux modèles. Alors déjà pour les gros changements, on a une amélioration des moyens et au régime. Il y a une meilleure agilité et maniabilité de la moto grâce à un tout nouveau système d'admission. Le silencieux aussi, il est un petit peu plus long et il accompagne justement l'augmentation des performances du moteur 2021. On a une cloche d'embrayage renforcée. Le cadre a été totalement redessiné en créant le meilleur équilibre entre résistance et rigidité. Il y a aussi un meilleur réglage sur les suspensions Kayaba. Et pour finir sur les grosses nouveautés, on a un système de frein qui est plus léger et plus réactif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est les nouveautés qu'on a sur le papier des nouvelles Yam 250. Maintenant, est-ce que quand on monte sur la moto, on ressent toutes ces nouveautés? Ce qui est sûr déjà, c'est quand on arrive sur cette 250, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux éditions. Une Yamaha couleur bleue origine, qui est très très jolie, ou alors une édition Monster Energy. Et franchement, elle est magnifique. Après, il n'y a rien qui change entre les deux modèles, c'est juste le kit plastique. Visuellement, on voit aussi que la ligne a été rallongée et sur le cache de la boîte à air, il y a des trous qui ont été faits donc pour que le filtre respire mieux. Après, niveau feeling, il y a vraiment quelques trucs qui ont changé. Quand on démarre la moto, moi j'ai trouvé perso qu'elle faisait un bruit beaucoup plus fort et beaucoup plus lourd. Et je pense que ça justifie que le moteur soit un petit peu plus puissant. D'ailleurs, quand on fait les premiers tours de roue, tout de suite j'ai senti qu'elle avait plus de force, direct. En tout cas, par rapport à la 2020. La 250e, elle fait partie des motos qui marchent le mieux. À bas régime, c'est un monstre. Elle marche super bien. Par contre, le problème, c'est qu'elle arrive vite dans les hauts régimes. Elle manque un peu d'allonge. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on l'a essayé dans toutes les conditions qu'on peut retrouver. La boue liquide, la boue qui colle et bijoux. Bijoux vraiment quand ça adhère, quand c'est le top. Et autant quand c'est meuble et que ça adhère, là, c'est sûr, pour moi, ça fait partie des meilleures motos parce qu'elle a énormément de caractère, beaucoup de force et on sent pas vraiment le fait qu'elle manque d'allonge. Par contre, dès qu'on arrive dans la boue, qu'elle soit collante ou liquide, là, ça patine et c'est vrai que ça monte très, très vite dans les tours. La 2021 a été améliorée. Mais ça reste une moto pour moi qui monte trop dans les tours, qui sature trop facilement. Et du coup, quand c'est glissant, on doit trop jouer avec les vitesses. En tout cas, cette nouvelle Yamaha, il y a beaucoup de changements. On les ressent peut-être pas tous quand on est sur la moto. Mais c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup plus de force moteur. Elle a été améliorée au niveau des régimes. Elle monte un peu plus dans les hauts régimes. Elle a un petit peu plus d'allonge. Ça reste une moto hyper maniable qu'on peut personnaliser en plus. Parce qu'avec l'application Power Tuner, on peut personnaliser la moto et la rendre un petit peu moins agressive. Donc ça, c'est cool parce que ça permet de rouler dessus avec tous les niveaux. C'était une expérience de malade. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que c'est vrai que je roule sur une Yam. Donc je pourrais très bien dire que c'est la meilleure moto du monde. Mais quand j'ai fait les tests, j'ai essayé d'être le plus neutre possible pour vous donner un vrai avis et pas un avis payé. Comment on appelle quand c'est corrompu? Voilà, pas un avis corrompu. Je voulais pas donner un avis corrompu, je voulais vous donner un vrai avis. Lâchez un gros commentaire aussi parce que cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps. J'ai essayé de faire une qualité de dingue. Et puis, c'est cool les vlogs comme ça parce que je peux vous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, si vous en voulez plus, abonnez-vous à la chaîne. Bon, voilà, c'est tout. Et on se retrouve très bientôt, très très bientôt d'ailleurs, parce que la prochaine vidéo, c'est le Kenny Festival. Et ça s'est pas super bien passé, donc j'ai hâte de vous montrer la vidéo. Ciao !